Des élections législatives ont lieu ce vendredi en Irlande. Selon les derniers sondages, le parti de centre-droit au pouvoir devrait sortir en tête, mais sans majorité. Les prédictions donnent un fort recul du parti travailliste de Joan Burton, qui pèse sa participation au gouvernement, et une avancée du Sinn Féin, le parti de la gauche nationaliste de Gerry Adams. Tout ce qui ne fonctionne pas dans notre société aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions prises par ces trois personnes à ma gauche. Micheál a apporté le bus au bord du précipice et maintenant il veut récupérer les clés pour reprendre le volant. Le Premier ministre et le vice-premier ministre ont fait les mauvais choix et ont soutenu les privilégiés au lieu des travailleurs. Avec 7% de croissance en 2015, la coalition au pouvoir appelle à poursuivre la reprise économique. Le Sinn Féin de Gerry Adams espère lui rassembler une partie des oubliés de la croissance, mais son passé de porte-voix de l'IRA l'exclut a priori d'une participation à la prochaine coalition. De son côté, le parti travailliste, qui a fait campagne pour la levée de la pénalisation de l'avortement, ne devrait pas sortir en force.